Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Premier, Freddy, je voudrais que tu tournes le micro et que tu me fasses ça à la mode britannique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en sport. En fait, quand c'est toi qui parles, j'ai un meilleur accent. Bonjour monsieur, je peux vous filmer? Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Moshé. Une voiture à pédale? C'est un vélo-cœur, c'est une voiture à pédale dans les années 30. Des années 30, voilà. Donc c'est vraiment une antiquité alors. C'est vraiment une voiture de fabrication industrielle. Enfin... Française? Ouais. Oh, d'accord. Et c'était pour la ville? Ouais, ils ont vendu pas mal à Paris. Ils en ont vendu pas mal. Vous m'avez dit quelle année? Aux alentours des années 30. Il y a trois vitesses. Il y a trois vitesses comme les vélos. Voilà. Avec un petit coffre. Voilà. C'est assez rare. Hein. Bah oui, c'est assez rare. Ouais, c'est marrant. Il y en a quelques. Allez, on va mettre le prix à la moto, Vincent, c'est vrai que moto ça coûte. D'accord, très bien. J'ai une chaîne, ça s'appelle En voiture Sébastien, sur YouTube. Je vous connais. Moto sacoche. Eh ben, vous êtes sur la pellicule. Ça marche. Comment votre prénom? Xavier. Vous êtes sur la pellicule de En voiture Sébastien. Bonne route, Xavier. Merci. Au revoir, Sébastien. Merci à vous. Mettez-vous devant la moto. Pour la photo. De l'Elica devant la Tour Eiffel. Et celle-ci, eh bien, elle avait dans cette version cabriolet. Motobloc 1912, les amis. Un grand bravo et merci parce que vous êtes très souvent avec nous aussi. Ça nous fait très plaisir. Oui, Alberto, merci. Toujours venir avec ce véhicule extraordinaire. Pour une fois, t'es pas en panne. Merci. Oh, la chariade. Et comme je t'ai dit, après, on va la brûler. Est-ce que tu veux dire un peu petit mot au niveau histoire Elica? Amilcar. J'adore cette marque qui est magnifique, Amilcar. J'adore Amilcar. C'est beau, hein. Voilà, donc si jamais vous avez du ça fait un peu Riva. On a vu. Hein Jean-Jacques, ça fait un peu comme les bateaux Riva. Oui, c'est ça, comme les Riva. Je vous donne la plaisir. C'est très joli, hein, quel jour. Merci à vous. C'est très joli. J'ai vu les portillons pour entrer. Et puis, comme il est tradition, c'est vrai qu'on dirait parce qu'une barque. Oui, qui a fait le show. Xavier, tu nous rejoins, le président, l'amicale BNC. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes autour de nous. Je voudrais juste que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements pour le club, bien sûr. Et puis... Oui, vas-y, donne faites une photo. Va faire une photo. Et puis, je voudrais que vous en profitiez pour faire un tonnerre d'applaudissements à Vincent Chamon, qui a eu cet extraordinaire de faire le vintage revival pour Eric. Ouais! So, as you might have guessed or realized, the prize for the bike goes to Moto Sacoche with a wonderful Swiss machines. Which I hope you've been able to discover in detail. Le petit saucisson, voilà. Donc, Laurent qui vous offre cette jolie planche à découper en forme d'anneau de Montlhéry et puis un petit saucisson. Voilà. Les amis, super. Nous sommes à l'origine merci de l'automobile. Je vous demande de les applaudir encore une fois très très fort. Et un grand grand merci à toute l'équipe du VRM, 97 bénévoles qui ont sué sang et eau, qui ont passé des nuits à faire en sorte que la manifestation soit aussi belle. Et donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un en combinaison blanche comme ça, n'hésitez pas à lui dire un grand merci parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. À
un grand merci. Mais c'est pas une Bugatti, je crois qu'il pompe pareil. Hein. C'est pour l'huile, les Bugatti. Après, là, voilà. C'est pour l'essence. D'accord. Oui, un peu comme un pub voilà. On n'en saura pas plus. Merci à vous, les gars. Continuez à nous faire plaisir. Quand vous êtes conduit, il faut. Ravi également. Faut être chef d'orchestre. De vous accueillir. Et puis, il est 39. Autrement dit, on va bientôt eh bien, autoriser le plateau H à venir rejoindre en pré-gris. Et puis, on attaque à 14h. Oui, les amis, je voulais vraiment aussi remercier évidemment l'équipe qui a entouré tout le monde. Oui, merci les moteurs. Et du coup, maintenant, rendez-vous, comme disait Igor, le plateau H. Vous, n'oubliez pas. Pour mon cousin Dominique qui est un fan de plaques émaillées et de... Il y a de breloques en tout genre. Donc voilà. Dominique, c'est pour toi. C'est sympa, bonne ambiance, il fait beau. Et de la pièce détachée pour tout le monde. C'est cool. C'est cool. Vous voyez, vous cherchez une petite lampe Petroleum Silver King. Voilà, vous cherchez une petite pièce. Là, vous la trouvez ici. Vous la trouvez qu'ici d'ailleurs, à mon avis. Bonjour. C'est formidable. Bonjour. Bonjour. On te bécane. C'est sympa, hein, bonjour l'ambiance. C'est cool. Voilà les amis. Ah tiens, petite pompe essence. De l'époque. Tiens, Franck Domi, 150 €, si ça vous intéresse, pour mettre dans le salon, ça se discute.
Elle est évanouie. Il a coupé la route. Voilà, il a raison là, faut doubler. La cabine du pion, là, faut doubler. Vraiment, pour la fille, le drapeau. Hein. Ils n'écoutent pas. Hein. Allez, Rosalie. Allez, Rosalie, vas-y. Très élégant d'ailleurs. Morgan. Elles sont très larges. Hein. Mais ça doit être très confortable en plus. Hein. Moi je trouve ça charmant, franchement je trouve ça charmant. Hein. Moi les mecs ils courent avec nous et ils me regardent. Et alors oui. Oui, ouais, très joli, j'aime bien. Néo rétro. T'as vu? T'as vu les feux à l'arrière, on dirait les feux de Maserati. Maserati, ils ont fait des feux comme ça. On va aller voir ça. Ouais, c'est un V8. Dans un nid de Morgane, regardez nos amis anglais qui sont venus en force à Montlhéry et qui regardent le circuit bah, tranquillement assis dans leur Morgane. Regardez, hop, et voilà, c'est génial. Strabisme. Oui, et là, on a
avec les deux collatéraux là. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.